Bonsoir, 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 bonsoir. C'est comment? Ah, c'est les fans de Bordeaux. Hein. Quand c'est comme ça, là, ils vont venir. Quand vous soutenez quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, que ce soit aux fans de Bordeaux, de Serge Bruno, de Ariel Chené, de Ibawan et de consorts, il faut soutenir aussi celui qui soutient vos artistes. Quand il parle d'un autre artiste, il faut soutenir la musique, il faut soutenir sa chaîne. Mais j'ai l'impression que quand je parle de Bordeaux, vous êtes là, mais quand je parle d'un autre sujet ou d'un autre artiste, vous n'êtes pas là. Ça, c'est pas encourageant. Ah, c'est pourquoi souvent je fais des moments sans parler de votre Bordeaux ou bien sans parler de votre Ibawan. Les gens ont tendance à croire que c'est parce qu'il y a des problèmes. Moi, quand il y a des problèmes, on me connaît. Il vient, il parle. Bah, ça ne va pas quelque part, mais je dis ce que je pense. Voilà. En toute politesse d'ailleurs. Donc, merci de m'encourager. Merci de commenter. Et partager cette vidéo-là massivement. Et envoyez-la aussi à Debordo Likoufa. Voilà. Il faut lui dire qu'il ne connaît pas tout. Qu'il n'a qu'à prendre en compte les conseils des rhéteurs que je suis. On se prend juste après le générique. Je vais vous expliquer pourquoi les vidéos de Debordo ne cartonnent plus comme avant. À compter du 1er mars, votre permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points. C'est ce qu'on appelle le permis à points. Pour cela, pas besoin de changer de permis. Alors c'est quoi le permis à points? Le système du permis à points, institué par le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016, concerne tous les permis de conduire. En cas d'infraction routière commise, constatée par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés, votre nombre de points est réduit automatiquement. Plus l'infraction est grave, plus le nombre de points retirés est important. Alors comment récupérer des points? Votre capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou après 2 ans écoulés si aucune infraction avec retrait de points n'est commise durant cette période. De quel recours disposez-vous? À la réception de la notification de votre infraction, vous disposez d'un délai de 8 jours pour contester le retrait de points dans l'un des 38 centres de gestion intégrée et de la mobilité présents sur le territoire national. Si la décision est confirmée, vous pouvez déposer un nouveau recours auprès de la commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire au plateau à la Tour C au 3e étage. Cette commission rendra un avis dans un délai de 15 jours pour un retrait de 2 ou 3 points ou dans un délai de 7 jours pour un retrait de 4 à 6 points. Si la dite commission confirme l'infraction et si vous souhaitez contester à nouveau, c'est le tribunal de simple police qui statuera en dernier ressort. Un conducteur respectueux des règles fait diminuer le nombre d'accidents de la route. Pour préserver votre capital de points, adoptez une conduite responsable et mettez-vous en règle. Pour tout renseignement, contactez le 1302. Hashtag stop à l'incivisme sur la route. Bon retour, chers abonnés. C'est simple. Je sais que vous avez remarqué avec moi que depuis un bon moment, au-delà des clashs, hein, au-delà des clashs, parce que je ne vais pas revenir sur les clashs et les dérives de la TIS, mais je vais vous expliquer simplement, de façon terre à terre, pourquoi la TIS de Bordeaux Likoufa, je n'ai pas dit la TIS, ce n'est pas la TIS, mais pourquoi les clips de la TIS de Bordeaux Likoufa ne cartonnent plus, ne progressent plus très rapidement sur sa chaîne YouTube. Je vais vous expliquer ça simplement, vous allez comprendre. Donc, je vous invite déjà à aller continuer à booster son tout dernier en featuring avec le talentueux artiste rappeur Mojaveli, que j'ai nommé Didi B. Allez, il faut atteindre le million de vues aujourd'hui avant le truc 23h59, il faut qu'on passe le million de vues en 5 jours. Sinon, si les 23h59, on tombera dans 6 jours, mais ce n'est pas bien grave. Le plus important, c'est de partager au maximum le lien du clip et puis d'inviter ceux qui ne connaissent pas Debordo à les découvrir à travers ce titre-là. Parce que là, je pense pour ma part que ces deux collaborations-là devaient cartonner plus que ça. Le morceau, j'ai déjà fait une réaction, déjà, je l'ai déjà décrypté. Il n'y a rien à dire, c'est un morceau top. Le clip, très bien réalisé, avec de belles images, haut en couleur et tout. C'est pas ça le souci. C'est pas ça qui fait que le morceau ou bien le clip ne progresse pas vite. C'est vrai qu'il est en tendance maintenant, ça fera bientôt 6 jours. Chose qui a salué. Nous sommes déjà dans le 6e jour, mais précisément... à 23h59, ça fera 6 jours, jour pour jour que le clip est en ligne. Vous savez, si depuis un moment, Debordo ne fait plus tant de vues que ça, c'est simple. Vous savez, YouTube fonctionne avec un algorithme. Souvent, c'est vrai.
que la plateforme YouTube peut bugger parce que c'est une plateforme qui reçoit des millions, je dirais des milliards de vidéos. Et c'est normal, puisque ces serveurs-là, ce sont des machines. Il arrive un moment que ça bug. Tu peux mettre un morceau, un artiste comme Desbordeaux peut faire 50 000 vues en peut-être 10 heures de temps, ou bien peut-être 24 heures, chose qui n'est pas normale, mais ça s'explique, parce que ce sont des machines qui travaillent. Cependant, le pourquoi du comment, les clips ne marchent pas là, je vous explique ça simplement. Vous savez, je ne sais pas qui a conseillé à notre artiste de Bordeaux, notre talentueux d'ailleurs, artiste de Bordeaux, de mettre ses directs Facebook sur sa chaîne YouTube. Bien qu'il gagne beaucoup d'argent avec sa chaîne YouTube, mais on ne met pas tout sur sa chaîne YouTube. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens-là, mais cette fois-ci, je vais plus loin pour vous expliquer pourquoi je vous disais que de Bordeaux ne devait pas mettre ses directs n'importe comment sur sa chaîne YouTube. Vous savez, dans les directs de Bordeaux, souvent il y a des écarts de langage. Or, dans l'algorithme YouTube, dans la base de données, des paramètres conçus par YouTube, il y a certains mots que YouTube n'accepte pas. Il y a certains mots qui enfreignent à la communauté, c'est-à-dire aux règles de la communauté sur YouTube. Vous comprenez un peu? Donc, Desbordeaux n'a pas mis seulement qu'une seule vidéo. Il en a mis plusieurs, je crois une trentaine ou une vingtaine de vidéos de ses directs. C'est pas mauvais. Si c'est dans le but de chercher de l'argent, ok, ça fait des vues, on gagne de l'argent, ok. Cependant, dans ses directs, il sort souvent des propos mal placés, déplacés, qui ne collent pas avec les paramètres de configuration que YouTube a établis. Ces mots-là enfreignent aux règles de la communauté YouTube. Donc, quand c'est comme ça, YouTube, puisque c'est une plateforme automatisée, voilà, ce ne sont pas des hommes qui gèrent tous ces milliards de trucs, on va dire, de vidéos et de chaînes sur la plateforme, mais c'est des paramètres conçus, préconçus, des algorithmes qui ont été préétablis pour gérer tout ce flux de vidéos-là. Et quand c'est comme ça, puisque YouTube reconnaît la chaîne de Desbordeaux comme une chaîne artiste, une chaîne de musique, c'est-à-dire YouTube s'attend à ce que ce soit des œuvres discographiques seulement que le concerné mette sur sa chaîne YouTube. Donc, vous remarquerez bien, dans le début de sa chaîne, je crois que Desbordeaux a été le premier artiste avec seulement 10 000 abonnés à faire le million de vues en une semaine. C'était avec Picmay. Et vous savez combien de fois Picmay m'a progressé aussi rapidement. Mais depuis un moment, on assiste à ce que Desbordeaux mette des directs. Et comme je vous ai expliqué, il a des propos déplacés. Et quand c'est comme ça, là, YouTube restreint la portée de la chaîne de Desbordeaux Likoufa. Quand je parle de restreindre la portée de la chaîne de Desbordeaux Likoufa, c'est-à-dire, normalement, avec la notoriété de Desbordeaux Likoufa, avec le nombre d'abonnés qu'il a, si normalement il a un clip au bout d'un mois qui doit faire 5 millions de vues, je prends un exemple simple. À cause de ces mots dépassés qui se retrouvent dans ces différents directs-là, qui poussent YouTube à restreindre sa chaîne, ce clip vidéo qui doit faire 5 millions de vues en un mois fera peut-être 500 000 vues en un mois. Voilà, ce qui n'est pas normal. Je vous explique. Comment vous concevez que Didi B, tous ses featurings, je vais parler simplement, je ne parle pas de ses morceaux à lui, hein. Tous ses featurings sur sa chaîne YouTube, parce que Didi B a créé sa chaîne il n'y a même pas longtemps, mais regardez bien avec moi. Son featuring avec JL Amelo, en haut, pour nous là c'est en haut, a dépassé la barre des 20 millions de vues en moins d'un an. Son featuring Chéri Coco avec Blacka, malgré que son précédent featuring avec JL était toujours en vogue et continuait de progresser très rapidement sur sa chaîne YouTube, je pense pour ma part qu'actuellement le clip de Blacka featuring chose Didi B sur sa chaîne a dépassé la barre des 12 millions de vues. Peut-être il est maintenant à 13 millions de vues. Vous savez pourquoi? C'est aussi simple. C'est parce que ces artistes-là ont compris que notre chaîne YouTube, c'est seulement pour nos œuvres, trucs musicaux et peut-être pour nos concerts, le résumé de nos concerts. Mais quand on commence à mettre des vidéos directes où souvent on parle par inspiration et les mots nous parviennent comme ça, normal et logique que si je faisais 10 millions de vues en un mois, je me retrouve à faire 2 millions ou 1 million 500 ou 1 million de vues en un mois. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est un peu ça. Donc, dites à Desbordeaux, il n'a qu'à rectifier cela. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est la vidéo du jour. Partagez-la massivement et donnez vos avis en commentaire. Maximum de partage.